Si on aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçu. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. La team Dada, et oui, c'est encore nous, Benjamin Da Silva donc, et Omar Da Fonseca. Et voilà, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est donc ce match qualificatif pour le championnat d'Europe des Nations. La République tchèque affronte la France. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. J'espère que vous avez vos lunettes de soleil. Ça va briller. Attention, voilà un bon duel. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Aurélien Tchouaméni avec la balle. Ballon pour Ousmane Dembélé. Et c'est vers Jules Koundé. Et le centre vers le second poteau. Quelle énorme occasion de marquer le premier but. Mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. Et on va jeter un œil sur la compo tchèque. En 5-3-2 ou en 3-5-2, ça dépend du point de vue et aussi de l'intention et des désirs de l'équipe. Et duel emporté en défense, belle anticipation. Les titulaires côté français, les voilà. Benjamin Pavard, Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Et bien joué, il efface son vis-à-vis. Opportunité pour mener, bon réflexe, mais ballon est repoussé. Aucune inquiétude pour la défense. Ah, le ballon est perdu dans l'intervention. Jurasek. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Marignan avec Raphaël Varane. Jules Koundé, Ousmane Dembélé, intercepté, Adam Lojek, ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe, avec Rabiot maintenant, et ça joue pour Tchouaméni. Magnifique ce contre. À la réception, Nkunku. À Pat. Oh oui, le merveilleux coup de patte. C'est vraiment du grand art. Très bien ce geste avec un ballon piqué qui passe juste au-dessus de la tête du gardien. But tout en grâce et en touché. Vraiment un geste de très grande classe. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Il faut tenter sa chance. Et le gardien était bien vigilant. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner. Le public pousse et il y croit à cette égalisation. Et bon, le gardien. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. Ousmane Dembélé avec le ballon. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la... Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Et sur le côté, Mbappé, il a du champ. Attention, Kylian Mbappé. Et l'avantage se creuse avec ce deux buts pour alourdir la note. Et au départ, c'est bien joué. Mbappé a volé le casse-croûte au défenseur. Et à la finition, on voit tout le... imparable, millimétré d'Mbappé. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Pour Barak. Il n'arrive pas à conserver ce ballon.
Reiki. Oh, la frappe. Et voilà ce but. Sans doute pour amorcer une remontada. Et il faut y croire. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Kylian Mbappé. Ballon pour Benjamin Pavard. Raphaël Varane. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par la France. Et ballon dans la profondeur. Bon, l'égalisation peut-être. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Allez, pourquoi pas un tir. Ouais, bien défendu, sans faute. Un bon contre à jouer peut-être. Ballon pour Nkunku. Fekir, il peut frapper. Le but. Tire voltant. Nabil Fekir. Comme tous les génies, il a inventé des gestes qui sont devenus les nôtres. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Raphaël Varane. Ah, c'est pour Pavard. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Colomoni. Attention, ballon en profondeur. Allez, il faut aller fixer maintenant. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Bien parti dans le dos. Interception réussie, ballon récupéré. Et attention à cette frappe. Goal, 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 goal. Et oui, c'est dedans. 3 buts d'écart maintenant. Efficacité, réalisme, tout leur sourit. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Le centre vers la surface de réparation. Ah, le ballon traîne, attention. Les 3 coups de sifflet, c'est donc terminé pour cette rencontre. Les équipes rentrent au vestiaire.